شكي ما قدمش نعم نشوفك سوري ارتاح لك شوية Vous arrivez à voir, Haka? Hein? Ça va, quelqu'un? شيماء بيتن ابراهيم بريزونت مدام ابراهيم ابراهيم مش موجودة ابراهيم لو سمحنا ابراهيم نور سلام كيكا محمد ياسين ريهام هدى شيماء تبعدوا على بعضكم تفزوزة تحطوا ديستانس من بين بعضكم به أروى نور كريفة نور نور كريفة
Elle était là et elle est partie, donc elle est absente. Séné. Présent. Sab. Présent. Omar. Présent. Encore une fois, Rihé. Présent. Est intitulé les syndromes néphritiques aigus. Alors, en 50 minutes, je suis consciente, on ne peut pas atteindre tous les objectifs de ce thème. C'est un thème qui est facile, mais un tout petit peu complexe. Donc, on va essayer de rendre cette question très facile, mais au moins un certain nombre de messages du coup, nous atteint. D'accord ? Et comme tout enseignement formel, le classe inversée, c'est l'étudiant qui prépare la question. Maintenant, à partir d'une vignette clinique, on va essayer d'atteindre les objectifs de cette présentation. Alors, la vignette clinique est la suivante. Donc, vous recevez Madame RS, âgée de 44 ans, qui consulte pour un syndrome œdémateux qui s'est installé depuis 3 jours. 3 jours avant sa consultation, elle a constaté l'apparition d'œdème du visage, œdème des membres inférieurs, et donc elle a consulté 3 jours plus tard et elle a aussi constaté une diminution du débit de sa diurèse. Elle rapporte la notion d'un épisode d'angine 2 semaines auparavant. Son examen retrouve une prise de poids, donc elle pesait 65 kg et l'examen actuel a mis en évidence une prise de 3 kg de poids, une pression artérielle à 170 sur 100 mm de mercure, la présence d'œdème des membres inférieurs de type rénal et la bandelette urinaire. Je rappelle que la bandelette urinaire, c'est un examen qui fait partie intégrante de l'examen physique, ce n'est pas un examen complémentaire, ce n'est pas un examen paraclinique, il fait partie de l'examen physique des patients. La bandelette urinaire a mis en évidence la présence d'hématurie, 4 croix d'hématurie, 3 croix de protéinurie, l'absence de leucocytes, l'absence de nitrite, l'absence de glucose dans les urées. Et sur le plan biologique, on met en évidence une créatinine à 250 micromoles par litre, hémoglobine 13 grammes par décilitre, des plaquettes à 250 000 éléments par millimètre cube et une CRP à 8 mg par litre. Alors, première question. C'est pas normal. Alors, quel type de tableau rénal présente cette patiente ? À votre avis? Hein? Glomérulonéphrite. Pourquoi? Parce qu'elle a des œdèmes, une protéinurie. Hein? Orzolil, la notion d'infection ORL ne veut toujours pas dire qu'il s'agit d'une atteinte glomérulaire. D'accord? Quel type d'atteinte rénale? Le rein, femme des néphrons, le néphron, femme glomérule, vaisseau, tubule et interstitium. Et en fonction du type d'atteinte, on a un tableau clinique. Cette patiente présente un tableau clinique fait, malheureusement, vous avez un problème de matériel, donc vous avez directement la réponse.
Soit c'est un tableau tubulo-interstitiel, et dans ce cas, on n'a pas d'EDM, pas d'HTA, pas de protéinurie, pas d'hématurie. Soit un tableau vasculaire, et dans ce cas, le tableau, il est essentiellement fait d'une hypertension artérielle sévère qui est au premier plan. Soit un tableau glomérulaire, et dans l'atteinte glomérulaire, nous avons une élimination dans les urines d'éléments figurés, c'est essentiellement des globules rouges. On a une hématurie, on a une protéinurie, on a un syndrome hémateux, parfois une hypertension artérielle. Donc, pour notre patiente, on retient une atteinte de type glomérulaire. Et donc, ça, c'est très important à connaître. J'espère que ça va marcher, ça ne marche pas. Alors, quel type d'atteinte glomérulaire présente cette patiente, à votre avis? Quels sont les tableaux glomérulaires que vous connaissez? Amal tout ma stage néphro ou elle est? Amal tout stage néphro. Est-ce que c'est un, ça peut être un syndrome néphrotique, par exemple? Oui. Oui, d'accord. Quelle est la définition du syndrome néphrotique? Une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures, une hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre et une hypoprotéinémie inférieure à 60 g par litre. Pour cette patiente, on n'a pas les données biologiques de la protéinurie, de la protéinémie et de l'albuminémie. Mais elle peut avoir un syndrome néphrotique parce que la manifestation clinique la plus fréquemment rencontrée au cours du syndrome néphrotique, c'est les œdèmes. Les œdèmes, enfin, je vous montre donc ultérieurement, c'est l'accumulation d'eau et de sel dans le secteur interstitiel, peut se voir dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance hépatique et dans l'atteinte rénale essentiellement de type glomérulaire. Lorsqu'il y a une fuite urinaire de protéines dans les urines, il va y avoir une diminution de l'albumine, une diminution de la pression osmotique et donc l'accumulation d'eau et de sel dans le secteur interstitiel. Cette patiente, elle a présenté un tableau qui est apparu rapidement. Au bout de 3 jours, elle a constaté l'apparition d'œdème et la diminution du débit de la diurèse. Et sur le plan examen physique, on a mis en évidence la présence d'une... Qu'est-ce qu'elle a à l'examen physique, cette patiente? Présence d'œdème et quoi d'autre? Hématurie, protéinurie, quoi d'autre? Hein? Prise de poids, chenou R. Pression artérielle inter anormale, hypertension artérielle. Donc, l'apparition brutale en quelques jours, en quelques heures, d'un tableau fait de œdème, hypertension artérielle, oliguria, elle a constaté que le débit de la diurèse a diminué, une protéinurie, une hématurie définit ce qu'on appelle un type particulier de syndrome glomérulaire appelé syndrome néphritique aigu. Le syndrome néphritique aigu, c'est un syndrome qui témoigne d'une atteinte glomérulaire aiguë, d'une agression aiguë des glomérules, le plus souvent d'origine inflammatoire, infectieuse ou autre, qui va se traduire sur le plan clinique par ce syndrome appelé syndrome néphritique aigu. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui, le syndrome néphritique aigu, c'est un syndrome glomérulaire aigu caractérisé par l'apparition rapide, brutale, en quelques heures à quelques jours, des signes suivants: une hypertension artérielle, une oliguria, des œdèmes, une protéinurie et une hématurie qui est toujours pratiquement constante. Donc, notre patiente présente un syndrome néphritique aigu. Alors, quelle est votre démarche diagnostique devant cette vignette clinique? Comment on va avancer? J'ai oublié les signes de gravité.
Ça marche bien? Bien sûr, on va éliminer les signes de gravité de quoi? Qu'est-ce qui peut mettre en jeu le pronostic vital de cette patiente? Qu'est-ce qu'elle a? Ah, il y a l'insuffisance rénale. Et devant toute insuffisance rénale, il faut rechercher les signes de gravité. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler les signes de gravité de l'insuffisance rénale? L'anurie, ce n'est pas un signe de gravité. On peut être anurie, mais ça ne peut pas mettre en jeu le pronostic vital. Mais l'anurie a des conséquences graves qui peuvent entraîner des complications mettant en jeu le pronostic vital. Après, de l'insuffisance rénale aiguë, voilà, l'est. Alors, les complications aiguës de l'insuffisance rénale, qu'elles soient aiguës ou la chronique à rechercher, on va l'hypercalémie avec des signes électriques, l'œdème aigu du poumon et l'acidose métabolique sévère. B. On a éliminé les signes de gravité. Membat. Je suis normal, la mère de Hedi, attends. Eh, vous avez l'examen. L'interrogatoire devant toute vignette clinique. S'il y a une urgence, on va traiter l'urgence. Par la suite, on va faire notre examen clinique qui inclut l'anamnèse, donc l'interrogatoire, et puis l'examen physique. L'anamnèse, qu'est-ce qu'on va poser comme question à cette patiente? Les antécédents familiaux, personnels, hein? L'histoire de la maladie. S'il y a des signes associés, c'est essentiellement ce qui est très important en termes de syndrome néphritique aiguë, c'est s'acharner à rechercher des signes extra-rénaux. Est-ce qu'elle a des céphalées? Est-ce qu'elle a des arthralgies? Est-ce qu'elle a une photosensibilité? Est-ce qu'elle a des rectoralgies? Est-ce qu'elle a des douleurs abdominales? Tout qui m'apprête à faire comme système par système, la partie revue de système et notamment la recherche de signes extra-rénaux en matière de néphrologie, en particulier au cours de cette question syndrome néphritique aiguë, est capitale parce que le moindre signe peut nous orienter vers l'étiologie de ce syndrome néphritique aiguë. Bien sûr, le traitement dépend de l'étiologie. Bébé, alors on va avancer. Puisque nous avons 50 minutes, voilà, une heure, 50 minutes. Alors, le syndrome néphritique aigu, sachez que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Si on reçoit un patient pareil et chez qui on retient le diagnostic glomérulaire de syndrome néphritique aigu, c'est une inflammation, c'est une atteinte glomérulaire aiguë, c'est pour cette raison... Ça rend cette pathologie une urgence diagnostique et thérapeutique et ça traduit, comme on l'a bien dit, une atteinte glomérulaire aiguë caractérisée par une prolifération cellulaire endocapillaire. Parfois, il peut s'y associer une prolifération extracapillaire. Alors, syndrome néphritique aigu, d'emblée, sachez qu'il peut être post-infectieux. Donc, les calèches, il faut toujours rechercher la notion d'une infection. L'infection peut être soit concomitante à la survenue du tableau, soit il existe un intervalle libre, puis le tableau va apparaître. Donc, un épisode infectieux doit être toujours recherché devant un syndrome néphritique aigu. Ce tableau infectieux, donc, il faut rechercher une infection, soit concomitante, c'est la tenue en mal angie, brodois, en mal dématurie. Ça peut être une angie et après 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, le tableau va s'installer. Et nous-mêmes, la notion d'infection. Ça peut être indépendant de toute infection, en rapport avec une maladie de système, une vascularite, une maladie générale, une hémopathie ou bien un syndrome néphritique aigu dit primitif. Donc, qui chauffe au terme syndrome néphritique aigu, il faut avoir dans la tête, ça peut être infectieux, post-infectieux, soit en même temps, soit un intervalle libre, soit une maladie de système vascularite ou bien une pathologie néoplasique ou bien quelque chose d'idiopathique primitif. Ça peut être infectieux,
Ça peut être primitif, soit peut être secondaire à une maladie de système, vascularite, ou bien une pathologie néoplasique. Voilà, c'est de la répétition. Le syndrome néphritique aigu peut être concomitant à une infection en même temps. On a une infection ORL, une infection urinaire, ou elle est post-infectieuse. C'est le cas de la GNA post-streptococcique, ou la post-infectieuse. Dans cette situation, il y a un intervalle libre. Donc, un intervalle libre qui varie du 10 même à 21 jours en fonction de la localisation de l'infection, ou bien un syndrome néphritique aigu qui est indépendant de tout épisode infectieux, qui peut être soit primitif, soit secondaire à une vascularite, à une maladie de système, à une pathologie néoplasique, etc. Alors, devant cette patiente, on va faire l'interrogatoire. Et pour notre patiente, elle n'a pas d'antécédents familiaux. Sur le plan personnel aussi, elle n'a pas d'antécédents médicaux ou chirurgicaux particuliers. Elle a un bas niveau socio-économique, elle ne fume pas et elle est ouvrière dans une usine, parce que c'est une femme, dans une usine de textile. L'histoire de la maladie, elle a eu une angine érythémateuse pultacée 2 semaines auparavant, avant l'apparition de la symptomatologie glomérulaire, donc œdème, hypertension artérielle, etc. Et puis, installation brutale. Donc, le critère brutal, la brutalité de l'apparition des symptômes est très importante pour retenir cette entité pathologique qui s'appelle syndrome néphritique aigu. Elle a constaté le changement de l'aspect des urines, donc c'est une hématurie macroscopique, et une diminution du débit de la diurèse. Son examen physique, prise de poids, elle pesait 65 kg, maintenant 68 kg. Elle a une pression artérielle à 170 sur 100, donc elle est hypertendue. Elle est apyrétique, sa gorge est rouge, l'auscultation cardio-pulmonaire est normale, son examen abdominal est sans anomalie, elle a des œdèmes des membres inférieurs de type rénal arrivant jusqu'à mi-cuisse, sa diurèse est estimée à 400 cc par 24 heures, donc elle est devenue oligurique. Elle a une hématurie macroscopique et l'aspect des urines rappelle celui, l'aspect de Coca-Cola. Bandelette urinaire, comme on l'a bien dit, hématurie 4 croix, protéinurie 3 croix. Elle n'a pas de signe cutané, elle n'a pas de signe articulaire. On a complété par des examens paracliniques. Sur le plan clinique, si on va résumer, c'est une patiente qui a présenté une angine. 2 semaines après, elle a présenté un tableau glomérulaire fait d'œdème, hématurie macroscopiquement. Et son examen physique a révélé une hypertension artérielle, a objectivé les œdèmes et la bandelette urinaire a confirmé la présence de protéines dans les urines et la présence d'hématies. Donc, on a retenu sur les critères de l'examen physique et de l'interrogatoire un syndrome néphritique aigu. On va aller demander un certain nombre d'examens complémentaires biologiques. Qu'est-ce qu'on va demander ? Déjà, il y a un certain nombre d'examens qui ont été déjà donnés. Une première plaque de l'inéthyline. Hein? Qu'est-ce qu'on va demander comme examen complémentaire ? Pour DEMCO. Des examens sanguins et des examens urinaires. Urinaire, qu'est-ce qu'on va demander ? Protéinurie des 24 heures, dosage pondéral des protéines dans les urines de 24 heures, hein? T'as un câble ou plus l'urinaire? Pas de chute plasmatique. C'est l'urinaire, qu'est-ce qu'on va demander? ECBU, pour aussi confirmer l'hématurie. Toute hématurie détectée à la bandelette urinaire doit être confirmée par l'examen cytopathologique des urines, parce qu'il y a des faux positifs à la bandelette urinaire, hein? Urinaire, qu'est-ce qu'on va demander aussi? Iono-urinaire. Nous avons demandé un ionogramme urinaire, un sodium urinaire et un potassium urinaire.
Nous sommes devant une insuffisance rénale découverte récente, totale du cours dans l'insuffisance rénale aiguë, que l'ionurinaire est capital pour distinguer le caractère organique du caractère fonctionnel de l'insuffisance rénale. Sur le plan plasmatique sanguin, on va demander quoi? Fonction rénale, puisque la patiente a constaté une diminution du débit de la diurèse et donc on s'attend à escalader quoi sur le plan fonction rénale? Une insuffisance rénale. Donc on va demander une créatinine et là la créatinine elle est à 250 micromol par litre. Donc la patiente a, elle est normale la créate? Elle a une insuffisance rénale. On ne peut pas se prononcer aiguë ou la chronique, mais acte je trouve aiguë. On va rechercher les arguments en faveur du caractère aigu. On a demandé un ionogramme sanguin, déjà Zamil, comme le lourd, il faut éliminer les signes de gravité, il faut rechercher les signes de gravité, donc il faut éliminer une hyperkaliémie. Sa kaliémie est normale, pardon, on indique la kaliémie. Hein. On a suspecté un syndrome néphrotique, on a vu un syndrome néphrotique, donc il faut rechercher. Il faut doser l'albumine et la protidémie dans le plasma. Et donc, l'albumine, elle est à 38, protidémie à 68 grammes par litre. Donc, elle a ou pas un syndrome néphrotique? Pourquoi la définition d'un syndrome néphrotique dès le début? Donc, elle n'a pas de syndrome néphrotique. Son hémoglobine est à 13 grammes par décilitre et les plaquettes à 250 000. Donc, nous avons demandé les examens biologiques suivants. Un examen cytobactériologique des urines, dosage des protéines dans les urines de 24 heures, un ionogramme urinaire et sur le plan plasmatique, un ionogramme sanguin, une fonction rénale, urée et créatinine, une numération formule sanguine, une VS, une CRP à la recherche de stigmates d'inflammation puisque notre patiente a présenté un problème infectieux. Des examens immunologiques sont aussi à demander et on a fait le dosage du complément sérique, le C3, il est abaissé, il est à 0,2, la limite inférieure du C3, elle est aux alentours de 0,8. Et nous, même si on va vous donner un cas clinique, voilà, un QCM, on vous donne des valeurs normales, ne vous inquiétez pas. Il y a là des anticorps anti-streptolysine O qui sont augmentés dans le plasma. Mais sur le plan radiologique, nous avons fait un certain nombre d'examens radiologiques, à savoir radiothorax qui est normal, un arbre urinaire sans préparation et une échographie rénale qui a montré deux reins de taille normale avec une bonne différenciation cortico-médulaire. Et donc, ça approuve le diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë. Une insuffisance rénale aiguë. C'est un diagnostic qui se base sur un faisceau d'arguments biologiques et morphologiques. Deux reins de taille normale avec une bonne différenciation cortico-médulaire, l'absence d'anémie, l'absence d'hypocalcémie, ce sont les paramètres qui plaident en faveur du caractère aigu de l'insuffisance rénale. Donc, les diagnostics à évoquer chez notre patiente. Donc, Rolna, elle présente un syndrome néphritique aigu. D'accord, puisque on a pratiquement tous les paramètres, tous les critères du syndrome néphritique aigu. Œdème, hypertension artérielle, oliguria, protéinurie, hématurie et insuffisance rénale. Bien à fait, comme nous, le syndrome néphritique aigu peut être soit d'origine infectieuse, soit d'origine primitive, soit en rapport avec une maladie du système, une vascularite ou une pathologie néoplasique. À votre avis, notre patiente, quel type de syndrome néphritique? C'est post-infectieux. Est-ce que c'est concomitant ou bien à distance? À distance. Donc, très probablement, ça s'appelle quoi, cette étiologie de syndrome néphritique aigu? Voilà, glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. Ça s'appelle glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse.
Alors, la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, c'est le prototype, c'est une maladie qui se traduit cliniquement par cette entité, syndrome néphritique aiguë. Avant, on voyait très fréquemment les GNA post-infectieuses parce qu'en général, on ne soigne pas bien les angines, les otites, les infections cutanées. Actuellement, les étiologies des syndromes néphritiques aigus sont plutôt dominées par les causes inflammatoires, les maladies de système, les vascularites, etc. Donc, on retient plutôt la GNA post-infectieuse, donc glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. B. Comment on va retenir le diagnostic de GNA post-infectieuse ? Quels sont les critères qui vont nous amener à retenir ce diagnostic devant ? Déjà l'infection, la notion d'infection ORL. L'infection peut être ORL, cutanée, n'importe quelle infection, bactérienne, parasitaire, virale, fongique, tout foyer infectieux peut être responsable de la survenue après 2 ou 3 semaines d'évolution d'une GNA post-infectieuse. L'existence d'un intervalle libre, c'est post-infectieux. L'existence d'un intervalle libre, ça, c'est un intervalle qui est essentiel pour qu'il y ait une réaction immunologique, pour qu'il y ait une formation des complexes IMA et pour que ces complexes IMA vont attaquer dans un second temps les glomérules. Et puis, la présentation clinique qui est faite de syndrome néphritique aigu, il y a une inversion du rapport sodium sur potassium urinaire. L'inversion du rapport sodium sur potassium urinaire, c'est pas spécifique ou bien pathognomonique de la GNA post-infectieuse. Mais cette inversion se voit dans tout syndrome néphritique aigu. Au cours des syndromes néphritiques aigus, il y a une réabsorption tubulaire importante d'eau et de sodium sans hyperaldostéronisme secondaire. Parce qu'il existe ce qu'on appelle, et on va voir ça ultérieurement dans l'explication physiopathologique, il y a une anomalie de la filtration glomérulaire, alors que les fonctions tubulaires sont conservées, la surface de filtration glomérulaire est diminuée, donc raison pour laquelle nous avons l'insuffisance rénale, alors que les tubules fonctionnent normalement. Et donc, à Calais, il va y avoir une réabsorption tubulaire d'eau et de sodium qui vont expliquer les œdèmes, l'hypertension artérielle, l'oliguri, d'accord, et l'inversion du rapport sodium sur potassium urinaire. C'est très important, au cours du syndrome néphritique aigu, il n'y a pas d'hyperaldostéronisme secondaire. Il n'y a pas. Les patients sont en hypervolémie, contrairement au syndrome néphrotique, et vous allez voir ça en enseignement intégré le terrain de stage. Au cours du syndrome néphrotique, il y a un hyperaldostéronisme secondaire et c'est la raison qui explique l'inversion du rapport sodium sur potassium urinaire. D'accord ? Et puis, ce qui plaide en faveur du diagnostic de la GNA post-infectieuse, c'est l'abaissement du complément chromolytique. Parce que, au cours de la GNA post-infectieuse, comme à l'intervalle libre des Descartes, qui va entraîner la formation de complexes IMA. L'antigène, qui est responsable de l'infection, va entraîner une synthèse à l'anticorps. L'antigène anticorps vont se lier, ça va former des complexes IMA. Cette formation de complexes IMA va entraîner une activation du système complémentaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle que la fraction C3 du complément est diminuée. Il va y avoir une augmentation de la synthèse des anticorps dirigés contre l'antigène en cause. Dans ce cas, puisque la patiente a une angine, l'antigène responsable s'appelle plus souvent le streptocoque bêta immunitique du groupe A. Regardez, je parle dans le plasma des anticorps anti-streptolysine ou qui sont spécifiques de cet antigène. D'accord ? Et puis, bien sûr, les reins de taille normale à l'échographie. Donc, infection, c'est très important, la notion d'infection, intervalle libre, le syndrome néphritique aigu, l'abaissement du C3 et l'augmentation des aslots. Les arguments en faveur, malheureusement, ça fonctionne très mal.
de la GNA post-infectieuse. Et puis, on va rechercher les stigmates de l'atteinte infectieuse, c'est-à-dire, ben, on fait des prélèvements de gorge et on met en évidence la présence de l'antigène, du streptocoque au niveau de la gorge. Actuellement, on va aller, c'est beaucoup plus facile, de rechercher indirectement dans le plasma, dans le sang des patients, les anticorps dirigés contre l'antigène du streptocoque. Et les anticorps qu'on recherche sont les anticorps anti-streptolysine O, les ASLO. Et c'est essentiellement, donc, au premier bilan, on va trouver un taux d'ASLO augmenté et on doit refaire ce prélèvement une semaine ou deux semaines après et on va avoir une ascension du taux des ASLO. Et ça, c'est un argument assez fort du diagnostic de la GNA post-infectieuse. Par la suite, il y a des GNA qui succèdent à des problèmes infectieux cutanés. Ce n'est pas le même anticorps qu'on va rechercher. On va rechercher l'anticorps anti-désoxyribonucléase. Mais les anticorps qui sont les plus spécifiques des GNA post-infectieuses, quel que soit le germe en cause, s'appellent les anticorps anti-zymogènes. Ça, c'est une question d'examen. Ça peut, donc, si on va vous poser une question, quoi que Tawa les croque, c'est pas donné. L'anticorps le plus spécifique du diagnostic des GNA post-infectieux, ce sont les anticorps anti-zymogènes. Par la suite, on va parler de la physiopathologie, de la pathogénie, de la survenue de ce type d'atteinte glomérulaire. Vous allez essayer de me suivre, mais on va comprendre les conséquences de l'atteinte glomérulaire et on va expliquer tous les signes du syndrome néphritique aigu en allant donc de la physiopathologie, d'accord ? On va expliquer la protéinurie, l'hématurie, les œdèmes, l'hypertension artérielle et tout par un mécanisme physiopathologique. Par la suite, pour notre patiente, elle a une angine. Donc, le germe en cause le plus souvent, c'est le streptocoque bêta-immunitique du groupe A. Mais si on a une autre infection, on peut avoir d'autres germes. Plusieurs germes peuvent être responsables de la survenue de GNA post-infectieux. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être des champignons. Et vous aurez dans le tableau suivant la liste des agents pathogènes en cause. Voilà, donc je vous laisse le temps. Normalement, vous avez cet enseignement sur la plateforme, donc vous pouvez le regarder à tête reposée. Alors, sachez que pourquoi certains germes peuvent induire des GNA post-infectieuses et d'autres non, parce que certains germes sont dotés d'antigènes dits néphritogènes. Ce sont des antigènes qui ont un tropisme pour les glomérules. Et le streptocoque, notamment le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, du sérotype 12 pour la sphère ORL et le sérotype 49 pour l'atteinte cutanée, ont un tropisme pour les capillaires glomérulaires, raison pour laquelle les patients risquent de développer des GNA post-infectieuses. Une remarque aussi assez importante, si on fait une GNA post-infectieuse, post-streptococcique dans sa vie, on la refait jamais. Jamais. Supposons un enfant âgé de 7 ans a fait une GNA post-streptococcique, et donc, il est guéri. Donc, ça a passé donc lentement, l'évolution est normalement favorable. Après 2 ans, il fait un syndrome néphritique aigu. Ça ne peut pas être une GNA post-infectieuse parce que la GNA ne récidive jamais. Pourquoi ? Parce que le streptocoque, il présente dans sa paroi un antigène qui s'appelle l'antigène M. Et cet antigène M, il le confère une immunité durable. D'accord ? C'est pour la raison pour laquelle que les GNA donc, ne récidivent jamais. Voilà l'explication donc, physiopathologique et on va essayer de la comprendre ensemble. Alors, on a la présence d'une
infection, d'une inflammation, d'un anticorps en rapport avec une maladie de système. C'est l'explication du syndrome néphritique aigu, quelle que soit l'étiologie, hein, que ce soit infectieux, post-infectieux ou non. D'accord ? Le syndrome néphritique aigu, c'est une atteinte glomérulaire qui est médiée par les complexes IMA. Complexe IMA, donc antigène-anticorps, d'accord ? Quel que soit l'antigène, il peut être un microbe, l'antigène, il peut être un anticorps antinucléaire, il peut être un anticorps anti-membrane basale glomérulaire, ça dépend de la pathologie sous-jacente. Ces complexes IMA, lorsqu'ils vont se former, ils vont se fixer dans les glomérules. D'accord ? La fixation le long des parois glomérulaires de ces complexes IMA va entraîner une stimulation de la voie du complément. Ça va entraîner une libération des médiateurs de l'inflammation. Ça va entraîner une libération des facteurs chimio-tactiques. Et ça va aussi entraîner une libération des facteurs de croissance, des hormones de croissance. Tout ça va induire une prolifération des cellules donc, glomérulaires, des cellules endothéliales, va entraîner une libération, une stimulation du complexe d'attaque membranaire. Ça va entraîner un afflux de cellules inflammatoires, de polynucléaires neutrophiles, une libération d'enzymes protéolytiques qui va entraîner une destruction de la membrane basale glomérulaire. Et lorsque la membrane basale glomérulaire est détruite, il va y avoir un passage de protéines, il va y avoir un passage de globules rouges, et une hématurie, une protéinurie. Et lorsqu'on a de l'autre côté une inflammation au niveau des glomérules, une prolifération qui est faite par les cellules endothéliales, les cellules mésangiales, un afflux de cellules inflammatoires, des monocytes, des macrophages, des polynucléaires neutrophiles, il va y avoir une diminution de la surface de filtration et donc une oliguerie et donc une insuffisance rénale. C'est ce qu'on dit, l'explication physiopathologique de la protéinurie, de l'hématurie, de l'oliguerie, de l'insuffisance rénale. À côté de tout ça, on a dit que la fonction tubulaire, elle est intacte. Fonction tubulaire intacte, donc il va y avoir une réabsorption tubulaire importante d'eau et de sodium, ce qui va expliquer le syndrome œdémateux, l'hypervolémie, l'hypertension artérielle, le risque même d'OAP et d'œdème cérébral. Voici donc quel type d'antigène on peut avoir, un antigène microbien. On peut avoir des antigènes d'origine immunologique, qui sont les anticorps antinucléaires. Ça peut être des anticorps rentrant dans le cadre des vascularites ANCA, donc les ANCA. Ça peut être des anticorps anti-membrane basale glomérulaire. Et ça dépend de la pathologie sous-jacente, de l'étiologie, qu'on va avoir le type de complexe IMA qui vont se déposer au niveau des glomérules. J'ai sauté une diapo. Voilà. Et puis, les dépôts des complexes IMA au niveau des glomérules, il y a différents types de fixation de ces dépôts. Les complexes IMA peuvent se former dans la circulation, dans le sang. Donc, ça s'appelle des complexes IMA circulants et dans un second temps, ils vont se déposer dans les glomérules. Ça s'appelle les complexes IMA circulants et c'est le mode le plus fréquemment rencontré, ou bien des complexes IMA qui peuvent se former in situ au niveau des glomérules et c'est en rapport le plus souvent par, c'est essentiellement en rapport avec des antigènes qui sont normalement exprimés dans les glomérules, et c'est le cas aussi de ce qu'on appelle les antigènes plantés. C'est des antigènes exogènes qui vont se déposer au niveau des glomérules, et par la suite, les anticorps vont venir se fixer à ces antigènes. Ce n'est pas très important à connaître à votre stade, mais sachez que le syndrome néphritique aigu, c'est une pathologie glomérulaire aiguë qui est médiée par les complexes IMA. Les complexes IMA vont se déposer au niveau des capillaires glomérulaires et vont engendrer cette série, cette cascade de pathologies, une inflammation, une stimulation du système complémentaire et donc une agression
des glomérules, ce qui explique les signes du syndrome néphritique aigu. Alors, les complexes IMA circulants, ça, on en a parlé. Quel est leur impact sur les capillaires glomérulaires? Voilà, il y a déjà connu, on a oublié. Les complexes IMA déjà déposés, ils vont entraîner une rupture de la membrane basale glomérulaire, donc une augmentation de la perméabilité de la membrane basale glomérulaire, perte de la barrière de, sélective de charge et de taille, donc protéinurie et maturée. Il y a la première conséquence. La deuxième conséquence, la réaction inflammatoire donc, au niveau des capillaires glomérulaires, avec une activation du système du complément, une diminution de la surface de filtration glomérulaire et puis une conservation de la fonction tubulaire, ce qui donc nous amène à parler de ce déséquilibre glomérulo-tubulaire qui va entraîner l'hypervolémie, la rétention hydrosodée et le syndrome œdémateux. Donc, l'hypertension artérielle a là son explication, rétention hydrosodée, l'activation du système sympathique et la stimulation de l'endothéline. Les œdèmes, kif-kif, donc ce sont des œdèmes de type rénal, en rapport avec la réabsorption tubulaire importante d'eau et de sodium, et ces œdèmes donc, peuvent être responsables d'un tableau diffus qui s'appelle anasar, voire même des formes graves d'œdème cérébral. Voici donc une photo d'œdème de type rénal, mou, blanc, déclive, indolore, symétrique et garde le godet. Ça peut donner un aspect donc, d'anasar, donc un œdème qui touche toutes les séreuses, le péricarde, la plèvre, une pleurésie, une ascite, hydrocèle et l'œdème cérébral. L'hématurie, elle est essentiellement, elle est constante, elle est macroscopique, elle est en rapport avec cette augmentation de la perméabilité de la membrane basale glomérulaire et donc une fuite urinaire de globules rouges. C'est une hématurie de type glomérulaire, donc total indolore avec présence de cylindre hématique, total indolore, présence de cylindre hématique. La protéinurie, c'est une protéinurie aussi d'ordre glomérulaire, non sélective. L'oligurie est en rapport avec la diminution de la surface de filtration glomérulaire et elle explique, bien sûr, elle est associée à une insuffisance rénale. Alors, en cas de syndrome néphritique aigu, sachez que la ponction biopsie rénale, c'est un geste indispensable à faire devant tout syndrome néphritique aigu de l'adulte. Chez l'adulte, le syndrome néphritique aigu donc mérite ou bien doit toujours être complété par la réalisation d'une ponction biopsie rénale. Alors que chez l'enfant, ce n'est pas systématique. Allez, chez l'enfant, ce n'est pas systématique parce que le plus souvent, nous avons un tableau de GNA post-infectieuse. Et la GNA post-infectieuse a, donc, dans 95-99% des cas, une évolution favorable, sauf dans les formes graves malignes. D'accord ? Donc, tout syndrome néphritique aigu de l'adulte nécessite une ponction biopsie rénale. Ce n'est pas le cas donc, chez l'enfant. Chez l'enfant, il y a un certain nombre d'indications à la réalisation d'un syndrome néphritique aigu. D'une ponction biopsie rénale. Désolée. Et vous avez dans cette diapositive les indications de la réalisation d'une ponction biopsie rénale chez l'enfant, un contexte non évident. Pour le plan, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de notion d'épisode infectieux, ni concomitant ni à distance, la présence de signes extra-rénaux, hein, car je crois que au départ, à l'interrogatoire, il faut toujours rechercher les signes extra-rénaux, une gravité initiale de l'insuffisance rénale avec une anurie qui dépasse les 48 heures et les anomalies évolutives. Par exemple, une insuffisance rénale qui dépasse les 2 semaines, un syndrome néphrotique qui dépasse les 2 semaines, une hématurie qui dépasse les 6 mois,
une baisse du complément en série qui dépasse les 3 mois et une protéinurie persistante pendant plus que 6 mois. Ça, c'est une diapositive qui est très importante. Bien sûr, la ponction bupsirénale, et puis vous allez revoir ça dans pas mal de cours, les précautions à faire avant de pratiquer une ponction bupsirénale. La ponction bupsirénale, ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste invasif. On va donc utiliser un pistolet et on va prélever 2 fragments au niveau du poil inférieur du rein gauche. C'est un geste qui doit se faire éco-guidé. Il faut vérifier l'hémostase de notre patient, donc ANFS, plaquettes, groupe sanguin, TPTCA. Il faut vérifier que la pression artérielle soit équilibrée, que le patient présente 2 reins de taille normale, sans kyste, sans tumeur, au niveau du pôle inférieur du rein gauche. Et puis que, bien sûr, rein unique, c'est contre-indication. Petit rein, c'est une contre-indication. Infection urinaire, c'est une contre-indication. Ça nécessite une surveillance après avoir fait le geste, de la diurèse. Le patient doit rester en décubitus, donc dorsal, pendant 24 heures. On doit surveiller l'état hémodynamique, l'aspect des urines. Alors, voici donc un aspect de glomérule normal. Et ici, à droite, c'est un aspect de glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. C'est une... c'est un aspect de prolifération endocapillaire. Ménage, amal tout l'anapate rénale. Mais c'est un signe tout ce qui est anapate rénale, le glomérule, l'aisance capillaire, etc. Donc vous ne pouvez pas comprendre comme ça. Mais comme je suis sur la plateforme, le cours, le. La pathologie, l'anatomie pathologique rénale, l'aspect d'un glomérule normal, je vous dis, mais derrière le bar, la composition, on a des quelques mains. Peut-être le deuxième glomérule. Ah, ça, c'est le tour, mais le. Pas pour moi, le troisième. Le troisième année, tout va. Alors, la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, prendre la traduction clinique syndrome néphritique aiguë, et lorsqu'on fait la ponction biopsie rénale, on va trouver une prolifération endocapillaire diffuse, avec une réaction inflammatoire exudative, essentiellement faite par des polynucléaires neutrophiles. Donc, en microscopie optique, l'aspect qu'on retrouve au cours du GNA post-infectieux, c'est un aspect de prolifération cellulaire endocapillaire diffuse, donc une prolifération de cellules mésangiales endothéliales diffuses, donc dans tous les glomérules, diffuses et globales, avec une réaction inflammatoire exudative, faite essentiellement de polynucléaires neutrophiles. Et une caractéristique, c'est la présence de dépôts extra-membraneux, ce qu'on appelle les IMPS. Malheureusement, ça relève de l'anatomie pathologique. La GNA réalise une glomérulonéphrite proliférative diffuse avec une hypercellularité endothéliale et mésangiale, donc une prolifération qui trouve la prolifération endocapillaire, c'est tout, ça suffit. Avec un afflux de cellules inflammatoires, on peut avoir parfois une réaction inflammatoire extra-capillaire. À l'intérieur des capillaires glomérulaires ou à l'extérieur, comme à la chambre urinaire. La chambre urinaire, normalement, fait la médicale, là où il y a la formation donc, de l'urine primitive. Parfois, lorsque la forme elle est grave, la chambre urinaire, ça va être le siège d'une prolifération dite extra-capillaire. Ce sont les cellules épithéliales pariétales de la capsule de Bowman qui vont proliférer et vont donner ce qu'on appelle un croissant qui va obstruer
La chambre urinaire est ça ce qui fait la gravité de la GNA post-infectieuse et on l'appelle GNA maligne. Lorsqu'il existe une prolifération extra-capillaire à côté de la prolifération endocapillaire, ta chambre urinaire est comme tu vois, faire une prolifération de cellules et réalisant ce qu'on appelle un croissant, qui me l'est né, ça s'appelle une GNA endo et extra-capillaire. En roulou, c'est une GNA maligne, grave. Dans cette situation, on a une insuffisance rénale sévère et parfois les patients sont anuriques et nous sommes amenés à les dialyser. Ça, c'est la redondance. Un élément clé au cours de la GNA post-infectieuse, nous avons fait la biopsie rénale, on prend deux prélèvements, un prélèvement pour la microscopie optique et un prélèvement pour l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, on va mettre en évidence au cours de la GNA post-infectieuse des dépôts d'immunoglobuline et de compléments. Dépôts granuleux en ciel étoilé le long des capillaires glomérulaires de C3 et d'immunoglobuline G. Ça, c'est une donnée capitale pour retenir le diagnostic de GNA post-infectieuse. Donc, en microscopie optique, c'est une glomérulonéphrite endocapillaire, une prolifération endocapillaire. Dans les formes graves, il peut s'y associer une prolifération extracapillaire et à l'immunofluorescence des dépôts granuleux de C3 et d'immunoglobuline G le long des capillaires glomérulaires en ciel étoilé. GNA maligne, il existe des croissants dans la chambre urinaire, donc une prolifération extra-capillaire associée. Alors, je vais passer parce que là, on doit parler des autres diagnostics possibles, des autres étiologies possibles du syndrome néphritique aigu. Des diagnostics positifs de la GNA post-infectieuse, déjà Schoffner, l'existence d'une infection, l'existence d'un intervalle libre, l'apparition des signes cliniques du syndrome néphritique aigu, la baisse du complément sérique, la baisse de la fraction C3 du complément, c'est très important, un titre élevé des ASLO, et puis l'évolution, elle est en général favorable, bien sûr, dans la forme bénigne. Le traitement, il est purement symptomatique, là, de la GNA post-infectieuse. On va traiter les œdèmes, on va traiter l'hypertension artérielle, on va mettre au repos notre patient, la restriction hydrosodique. Parfois, nous sommes amenés à donner des traitements diurétiques et antihypertenseurs si la restriction hydrosodique ne suffit pas. Mais, bien sûr, le principal traitement, c'est le traitement préventif. C'est le diagnostic et le traitement à temps de tout épisode infectieux. C'est facile. Puisque c'est post-infectieux. Comme dans les formes graves avec une insuffisance rénale sévère, parfois nous sommes amenés à faire la dialyse si les patients sont anuriques avec une insuffisance rénale grave et une antibiothérapie si nous avons mis en évidence une infection, elle est toujours évolutive. Les éléments de surveillance qui vont être donc appliqués à toute forme de syndrome néphritique aigu, quelle que soit l'étiologie. On va surveiller le poids, la pression artérielle, la diurèse, la température et les données de la bandelette urinaire. Et sur le plan biologique, on va surveiller des paramètres sanguins et des paramètres urinaires, donc la créate, le complément sérique, le dosage des ASLO, le CBU et les protéines dans les urines de 24 heures. Qui m'a protégé comme la GNA post-infectieuse présente une évolution favorable, le plus souvent, avec une reprise de la diurèse, une baisse du poids, une fonte des œdèmes, une normalisation de la fonction rénale, une disparition de l'hématurie et de la protéinurie qui sont plus tardives. Qui m'a protégé à long terme, c'est un épisode unique, ça récidive jamais. Alors, diagnostic étiologique. On a une forme type, le cas clinique qu'on a vu, c'est une forme étiologique de syndrome néphritique aigu. Les meilleurs qui survient après un intervalle libre d'un épisode infectieux, c'est la GNA post-infectieuse. Mais ce n'est pas la seule étiologie du syndrome néphritique aigu. Les syndromes néphritiques aigus peuvent compliquer une maladie de système, peuvent compliquer une vascularite, peuvent compliquer une pathologie néoplasique, peuvent être primitives à la fin.
Alors, nous allons faire une enquête étiologique rigoureuse. Si nous n'avons pas retrouvé d'infection, on va rechercher les signes extra-rénaux. On doit rechercher les signes cutanés, les signes digestifs, les signes articulaires, etc. Et puis, sur le plan biologique, on va faire l'enquête infectieuse, parce qu'il y a d'autres infections qui peuvent être responsables autres que le streptocoque A, ça peut être des virus. On va faire une enquête immunologique, le dosage des anticorps antinucléaires, des ANCA, des anticorps antimembrane basale glomérulaire, etc. La ponction biopsie rénale, je répète, est un examen indispensable. Il faut pratiquer la ponction biopsie rénale devant tout tableau de syndrome néphritique aigu de l'adulte. C'est indispensable. Donc, bien sûr, après avoir éliminé les contre-indications. Et la ponction biopsie rénale, c'est un fragment de microscopie optique et puis un fragment pour l'immunofluorescence. C'est le seul examen qui apporte les éléments de certitude pour le diagnostic étiologique, bien sûr, à côté des examens complémentaires, notamment l'enquête immunologique. Alors, je vous montre des exemples ici de données d'immunofluorescence de syndrome néphritique aigu. Là, 13, c'est une GNA post-infectieuse et 15, c'est des dépôts linéaires et c'est un tableau de syndrome de Goutte-Pasture. C'est un patient qui présente un syndrome néphritique aigu et dont la ponction biopsie rénale a mis en évidence une prolifération endo- et extracapillaire et à l'immunofluorescence, on a des dépôts linéaires d'immunoglobuline G. Alors, cette plaque est très importante. Devant tout syndrome néphritique aigu, il faut avoir à l'esprit la présence ou pas d'un épisode infectieux, la présence ou pas d'une hypocomplémentémie, parce que les étiologies divergent selon qu'il y ait ou pas une infection, selon qu'il y ait ou pas une baisse des défractions du complément. Et donc, retenez, si nous avons un syndrome néphritique aigu avec une baisse des fractions du complément, il faut penser aux GNA post-infectieuses, aux glomérulonéphrites membranoprolifératifs, au lupus érythémateux systémique et aux cryoglobulinémies mixtes. Et donc, les étiologies, j'insiste, c'est très important de connaître ces étiologies. Il y a des syndromes néphritiques aigus avec un complément normal et sans notion d'épisode infectieux, à savoir les vascularités ANCA, le purpura rhumatoïde qui est la forme donc systémique vascularitique de la néphropathie IgA, la néphropathie IgA, le syndrome de Goutte-Pasture et c'est de la redondance vascularite ANCA à Outhamarti. C'est pratiquement la même chose, donc un tableau qui résume les étiologies de syndrome néphritique aigu selon qu'il y ait ou pas une baisse donc, du complément sérique. Ça ne marche pas. Alors, Misselch. Ça, c'est le reste des... Samahni ? Mais je suis censée mettre le point sur un certain nombre qui sont très importants. Allez, si tu n'es pas intéressé, tu peux quitter. Allez. Ça, c'est de la redondance. On a déjà dit les étiologies des syndromes néphritiques aigus sans baisse du complément, mais je veux faire un petit résumé à la fin pour fixer un certain nombre d'idées. Alors, le syndrome néphritique aigu, c'est un syndrome glomérulaire qui est caractérisé par l'apparition brutale des signes suivants, une hypertension artérielle, un syndrome œdémateux, une oligurie sur le plan clinique. Donc, voilà. Hématurie, protéinurie. Sur le plan biologique, on peut avoir aussi une insuffisance rénale aiguë. Le syndrome néphritique aigu doit être mis donc, dans son cadre. Donc, à l'interrogatoire, on doit rechercher la notion d'infection. Donc, il faut voir si le patient a présenté un épisode infectieux ou pas.
S'il n'y a pas d'infection, il faut rechercher les autres signes extra-rénaux pour essayer de mettre, d'avoir une étiquette étiologique avant même de réaliser la ponction biopsie rénale. Le syndrome néphritique aigu est en rapport avec une réaction glomérulaire inflammatoire aiguë due à l'effet des complexes IMA, qui ont un impact immunogénique, qui rend compte de tous les signes cliniques de ce syndrome. La réalisation d'une ponction biopsie rénale est indispensable chez l'adulte et chez l'enfant dans certaines situations que vous êtes censé connaître. Et puis, il faut savoir que le dosage du complément sérique peut avoir une aide très importante pour nous orienter vers le type étiologique. Maintenant, on peut avoir un lupus, voilà, une hypocomplémentémie, une GNA post-infectieuse, une hypocomplémentémie, une cryoglobulinémie. On va avoir une hypocomplémentémie. Pour les autres étiologies, le complément est normal, qui est vascularité en cas. Qui m'a le purpura rhumatoïde, qui m'a néphropathie à IgA. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Mohamed Yassine. Essayez de revoir les cours avant de venir. Bien sûr, bonjour.